Bonjour. On se quittait. Bonjour, coucou, allô. Coucou, allô, hein, non, parce que on a repris notre début, puis là, moi, je faisais allô, lui faisait coucou, puis là, moi, je fais coucou, lui fait allô. Ah, mais j'espère que vous allez bien. Vous avez beaucoup, beaucoup marqué. Deux semaines, là, deux semaines, voir. Ah oui, deux semaines sans vidéo, c'est long, hein. Ah oui, oui, oui. Eh oui. Mais puis là, bon, mais ça y est, hein, on est arrivé, on est là. Oui, on est là au chaud. Oui, il fait chaud, vraiment, il fait très chaud. On ne fait pas comment il fait aujourd'hui. Ici, il fait 27-28 degrés. Oui. Et je pense qu'au Canada, il fait aujourd'hui, il fait moins 37 degrés. Avec le facteur vent, oui, c'est ça, oui, c'est très, très froid. C'est beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup. Ah, c'est la folie. Alors, on est parti samedi, c'est ça. Vendredi, on a quitté la maison, on est allé à l'hôtel à côté de l'aéroport. On a pris l'avion samedi. On a eu un écart de 40 degrés, je pense, hein, de différence entre le moins 30 ou moins 20, je ne sais plus combien au Québec, ou peut-être 50 degrés, puis le plus 25 ici, là. Ah, mon Dieu. Ou c'est... plus que ça, même, en tout cas, c'est un gros, gros, gros écart. Et alors, on est parti. C'était pas beau, c'était la tempête, il y avait de la neige, il neigeait pas mal. Ça fait vraiment un gros, gros, gros contraste. Oui. C'est ça, on est bien, bien mieux ici, hein? Ah, mon Dieu, oui. Moi, je vous dis, hein, si j'aurais pas de famille au Canada, mes enfants... On viendrait vivre ici, oui. C'est sûr que je viendrais vivre ici. Mais malgré qu'on, quand on vient ici, on a quand même 4 mois, là, c'est quand même beaucoup, là. Ben, c'est beau, le Québec aussi, c'est sûr, c'est beau. Hein, on a quand même profité cet hiver, la glissade et tout ça. Ah oui, ils ont vu, la dernière, ils ont vu ça, ils ont vu les chiens. Oui, on a profité de la neige, ben, quand même, c'est beau, c'est sûr, mais... On s'habille pas pareil. Non. C'est différent. Sûr. C'est différent. Puis voilà, on aime ça ici. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Oui, il va y avoir les réponses aux questions, comme d'habitude. On va répondre à vos questions. Oui. On va commencer avec une petite question énigme. Oui. Une énigme, il y aura la réponse à la toute fin de cette vidéo. Complètement à la fin. Oui, pour vous donner un petit peu de pep, je veux dire, c'est quoi ça? Une petite question énigme. Tiens, on va commencer comme ça. Pour cette année. On commence l'année en plus. Hey, c'est vrai. Attends, non, on a fait la vidéo le 8. Hein? On a fait une vidéo le 8, non? Oui, mais on continue l'année d'abord. On continue l'année, c'est ça. Et donc, après les réponses aux questions, ben, on va vous faire des petites images calmes, paisibles, de la mer, ici, le bord de l'eau, ici à Puerto Aventuras, où on est. Avant de leur donner beaucoup, beaucoup de vidéos à venir, là, dans des beaux coins qu'on va visiter, moi puis René, qu'on va aller même voir aussi, comme on avait dit, qu'on va aller voir des peintres ici, des artistes peintres. Oui, on va essayer de faire ça avec interprète. Oui, j'ai trouvé mon interprète. Oui, on est déjà, oui. On va essayer de faire ça, mais... Ben, vous savez comment est-ce qu'on est bien organisé, hein? Moi puis René, c'est comme ça. C'est ça. Mais on a aussi pas mal de travail sur des nouveaux projets, donc on va travailler pas mal, oui. Alors, c'est ça. On va être occupé, hein? Oui. C'est bon, alors on va commencer par l'énigme. La petite énigme. Alors voilà, je vous montre une petite partie, on va dire... d'un tableau. Oui, c'est ça. C'est comme un genre de puzzle. Une partie rapprochée d'une peinture qui est très connue, qui est très célèbre. Et vous devez trouver le titre et l'auteur du tableau. Et à la toute fin de la vidéo, toute fin, c'est-à-dire même après les images, là, les belles vidéos de la plage, tout ça, là, après ça, je vous donne la réponse. Et voilà, donc je suis certain qu'il y en a qui le savent déjà parce que c'est un tableau qui fait partie de la formation La peinture c'est facile. Et je vous en dis pas plus. Voilà. Ah ben moi, je l'ai pas vu l'énigme, j'aurais dû, hein. Ah, j'aurais deviné. Ah, mais la prochaine, hein. Comme ça, au moins on est sûr que tu diras pas la solution avant. Okay. On y va avec les questions. Oui, on commence avec Pascal Bourgoin. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Encore une fois, René, vos conseils sont très pertinents et très utiles. Je suis comme vous, je pratique surtout les paysages et les animaux. Mais je comptais m'y mettre venant d'être papy. Je voudrais faire mes petits-enfants. Oui. Ça, c'est tout un travail. Mais je vais vous dire, moi, j'ai commencé mon premier portrait. Là. Mais moi aussi, j'étais comme vous. Je faisais seulement les animaux. Puis, c'est ça, j'ai commencé à peindre ma petite fille. Mais c'était quand même bien. C'était très bien. Oh. OK. Il demande quelle dimension dois-je avoir pour la toile, pour commencer. Oui. Puis, il peint l'huile. OK.
Il dit aussi, en plus, il dit merci pour tous vos conseils. Il a commencé il y a un an à faire une exposition. Mais bravo. Bravo, oui, ben félicitations, oui, c'est bien. Vous avez commencé il y a un an? Oui, oui. Puis et vous avez déjà fait une exposition, c'est bien. Ouais. Alors, c'est sûr, le portrait, c'est difficile. Le portrait de ses petits-enfants, c'est très difficile. On le sait. C'est de nous, là. Oui, surtout, parce qu'on connaissait nos proches. On connaît, c'est ça, c'est pas pareil. Ah, si vous faites le portrait de... quelqu'un d'autre. Un artiste, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday ou autre. Bon, on va reconnaître et tout ça, mais nos petits-enfants, notre famille, c'est très difficile d'arriver à ressentir vraiment que ce sont eux. Ça demande vraiment une très grande perfection dans le détail. Alors, la question, c'est quel format choisir? D'abord, je recommande d'avoir une photo avec un bel éclairage, pas au flash, un petit peu latéral, comme ici, nous sommes à l'ombre sur la terrasse, la lumière vient d'ici, on le voit, on a la lumière à droite, l'ombre à gauche, de notre côté à nous, et ce sont des ombres douces. Ça, c'est un éclairage qui est vraiment bien pour faire des portraits, par exemple. Donc, c'est ça, c'est important d'avoir la bonne photo, et après ça, le format. Si vous mettez les deux petits-enfants, ou trois, ou sur une toile, sur la même toile, il faut qu'elle soit quand même assez grande, je vous dirais... un format, je ne sais pas si vous êtes en France ou au Québec. Au Québec, on dirait au minimum 16x20, 18x24, c'est bien. En France, ça ferait quoi? Ça ferait 50x60 cm au minimum, vraiment au minimum. Parce que, en fait, plus on le fait petit, plus le petit écart qu'on aura fait d'erreur dans le détail va se voir beaucoup. Ça va être difficile de faire des bonnes dimensions, des bonnes proportions dans un petit format. Plus il est grand, au plus on va pouvoir jouer sur les détails. Les détails vont devenir plus gros, vont être plus faciles à réaliser. On m'avait dit une fois, je m'en souviens, une professeure m'avait dit, essaye d'écrire ton nom sur un grain de riz, tu vas voir comme c'est difficile. Mon Dieu, oui. Écris-le sur un grand panneau, ça va être plus facile. Ben, c'est pareil. Faites un portrait sur une graine de riz, ça va être difficile. Vous faites sur un grand format, ça va être beaucoup plus facile. Donc, plus le format est grand, plus c'est facile. Et plus on va obtenir la ressemblance. Mais il faut toujours travailler avec les bonnes proportions. N'hésitez pas à faire un quadrillage, une mise au carreau, utiliser des outils de mesure, tu sais, un diviseur proportionnel. Surtout la mise au carreau, je vous le conseille, c'est vraiment utile. Oui, ouais, il faut utiliser tous les outils possibles pour avoir le plus de... on va dire, de respect des proportions avant même de commencer la peinture. Alors, c'est pas évident. Puis pour lui, c'est devenu une passion, hein, la retraite. Il dit ça, c'est grâce à nous, à vous, à toi. Ben c'est bien. C'est vrai que la peinture, c'est passionnant. Et puis, c'est une passion qui se partage facilement aussi. Oui, c'est vrai. Fait qu'on continue avec Rémicia Tali. Bonjour, Rémicia. Bonjour, Rémicia. Je ne sais pas si c'est le prénom ou le nom. Là. Ou Tali, bonjour. Oui. Question. J'ai essayé de vernir une peinture à l'huile en utilisant un vernis à l'huile de lin. Mais cela n'adhère pas à cet endroit, par endroit, et fait des petites gouttelettes. Que faire? Alors, je ne connais pas de vernis à l'huile de lin. Je suis allé voir sur Internet et je n'ai trouvé que des vernis à l'huile de lin, des magasins de bricolage pour les planchers de bois ou des meubles en bois. Donc, je suppose que c'est un vernis qui doit, qui est fait pour être absorbé par la matière, par le bois. Je m'imagine utiliser ce produit sur une toile, ça ne sera jamais absorbé puisque la peinture, elle est imperméable. Donc, c'est normal que ça fasse des gouttelettes ou autre. Est-ce que ce vernis à l'huile de lin est vraiment fait pour la peinture? Est-ce que c'est un produit que vous avez acheté dans un magasin de matériel de l'artiste ou dans un magasin de matériel de bricolage? Est-ce que parmi vous, les 85 400 abonnés, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que vous, parmi les 85 400 abonnés à la chaîne YouTube qui regardaient cette vidéo, est-ce que vous connaissez ça, un vernis à l'huile de lin fait pour la peinture d'artiste? Si oui, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien connaître. Mettez-le dans les commentaires sous la vidéo, parce que moi, personnellement, je ne connais pas ça. J'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé non plus, à part ce produit qu'on trouve pour le bricolage. Donc, si c'est ce produit que vous avez mis sur une toile, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Il faudrait le retirer, peut-être avec un chiffon et de l'essence de térébenthine un petit peu, et pour
utiliser un vrai vernis pour la peinture d'artiste. Ça dépend quel endroit que vous êtes aussi, si vous êtes en France ou un autre pays. Probablement, son produit, il l'a dans son pays. Oui, la première chose que je ferais déjà, ça serait de l'essuyer. Oui. De l'essuyer pour qu'il n'y ait plus ces petites gouttelettes-là qui restent à la surface. Mm-hmm. On continue avec Denise Veillet. Bonjour Denise. Denise. Pouvez-vous nous donner quelques pistes de réflexion concernant la pertinence ou non de mettre de la couleur sur les côtés, sur les châssis d'une toile? Si l'on met une couleur, laquelle choisir en lien avec les couleurs du tableau? Oui, alors, il y a bien des artistes qui vont peindre les côtés du châssis de la toile dans le but de ne pas l'encadrer. Bon, d'abord, on peut le peindre dans le but de l'encadrer dans un encadrement flottant, parce qu'on va voir les côtés du tableau. Donc, on peint les côtés pour le mettre dans un encadrement flottant ou on peint les côtés du châssis parce qu'on ne veut pas encadrer le tableau. Officiellement, dans les expositions auxquelles j'ai participé, on pouvait peindre les côtés et ne pas encadrer la toile s'il s'agissait d'un profilé galerie, c'est-à-dire, vous savez, ces toiles qui sont très épaisses, là. Le châssis est très large, très gros, donc c'est fait exprès pour peindre les côtés au lieu d'encadrer. Mais des toiles normales avec un profilé mince, là, un châssis mince, il fallait vraiment les encadrer. C'est vrai que ça fait moins beau si on peint seulement ces côtés minces. Par contre, des toiles galeries, des toiles au profilé galerie, profilé épais, ça fait joli, c'est beau. Alors, voilà, donc on le fait ou on le fait pas, c'est un goût personnel. Moi, personnellement, j'aime bien les toiles encadrées. Même si c'est des toiles épaisses, des toiles galeries, à ce moment-là, j'aime bien les encadrer dans un cadre flottant, qui laisse un espace entre la toile et le cadre, et je peins les côtés, et le cadre, il est fait vraiment pour le châssis en question, c'est-à-dire soit une toile mince, soit une toile épaisse. Quelle couleur utiliser pour peindre les côtés d'une toile à ce moment-là? C'est un peu comme choisir un encadrement. Quelle couleur choisir d'encadrement? Ça va, si vous allez dans un magasin d'encadrement avec votre toile, vous lui demandez des conseils à la vendeuse, elle va vous choisir souvent un cadre qui va comporter une couleur qu'on retrouve dans le sujet du tableau. Si votre sujet, il est plutôt bleu, on va chercher un tableau avec des reflets bleus, un cadre avec des reflets bleus. S'il est mauve, ça va être du mauve. S'il est rouge, ça va être du rouge, etc. Le doré, on sait que ça passe partout, tout le temps. Pour les peintures sur les côtés des tableaux, il y en a qui vont poursuivre leur sujet sur les côtés. Donc, si vous avez un paysage, vous poursuivez le ciel, le paysage en bas, etc. Ça donne un style au tableau, c'est contemporain, mais c'est sûr que ça va créer un angle, et un ciel avec un angle, ça n'existe pas. Hein? Ça va être éclairé différemment d'un bord ou de l'autre. Vous pouvez aussi le peindre de manière unie, tout autour, à ce moment-là, choisir une couleur qui va bien avec le tableau. Soit par le contraste, soit par les teintes, les couleurs, faut trouver vraiment quelque chose qui, on va dire, qui s'accorde bien avec le tableau. Moi, j'ai vu souvent des contours noirs, parce que le noir, ça passe partout. Oui, la plupart du temps, moi, c'est ce que je fais. Ce qu'on voit beaucoup, c'est du noir, ça fait ressortir les couleurs, etc. Ouais, c'est assez personnel quand même, hein, faut dire. C'est pas évident de choisir pour quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Même moi, personnellement, quand je fais encadrer un tableau, je vais toujours demander conseil au magasin parce que... Une deuxième idée, c'est mieux. Je suis pas très bon dans le choix des encadrements ou alors je prends des dorés. Passe-partout, vous voyez, doré vraiment style galerie là, et un encadrement doré va aller avec tout quand même. Voilà. Et qu'on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Je dois effectuer pour mon club de peinture une peinture sur un panneau de bois de 1.00 × 80. Bon, je suppose que c'est des centimètres, alors 1 m × 80 cm, je suppose, probablement. Par quoi peut-on remplacer le gesso? Ah, ok, oui, au fond de la toile, oui. Au fond? Oui, c'est ça, traitement, oui, c'est ça. Par quoi peut-on remplacer le gesso? Cette peinture va être exposée à l'extérieur. Et quel vernis peut-on mettre pour le protéger des intempéries? Bon, honnêtement, là, je vous dirais, c'est ça, vous demandez sur un panneau de bois, vous allez faire de la peinture, vous devez apprêter le panneau de bois avant de faire de la peinture. Et par quoi le vernir pour l'exposer en extérieur?
Est-ce que vous allez peindre à l'huile ou à l'acrylique aussi? Bon. Le gesso, sur le panneau de bois, ça fonctionnerait, il n'y a pas de problème, parce que là, on va se retrouver en dessous de la protection. Donc, le bois, vous pouvez le poncer un petit peu, appliquer du gesso. Il n'y a pas de problème. C'est de l'acrylique, c'est de la matière plastique, le gesso aussi. C'est du polymère pareil. Vous pouvez y aller au gesso, deux couches, trois couches s'il faut pour que le bois absorbe bien. Ça va imperméabiliser le bois et là vous pouvez un petit peu poncer pour vous préparer à peindre. Vous pouvez peindre à l'huile ou à l'acrylique. Peut-être que pour l'extérieur ça serait mieux à l'huile, je pense, ou peut-être, je sais pas, à l'acrylique. En tout cas, c'est, l'extérieur c'est difficile. C'est difficile parce que bon, si on peint à l'huile, après ça on va appliquer un vernis et là on sait qu'il faut appliquer un vernis seulement à retoucher parce que sinon l'huile va craquer dans le temps. Vernis à retoucher, on sait que ça laisse passer l'oxygène pour permettre à la peinture à l'huile de sécher encore derrière. La peinture à l'huile, s'il y a de l'eau qui va dessus, ça ne devrait pas faire de dégâts. Ça va rester en surface, ça va perler. Ça devrait être correct. Ça dépend aussi du temps que vous avez pour le faire et le temps de séchage. Si vous peignez à l'acrylique, donc vous peignez à l'acrylique, c'est sec complètement, vous allez appliquer par-dessus du vernis acrylique au moins 2-3 couches. Ça va imperméabiliser, ça c'est certain. Mais votre bois, lui, par l'endos, par l'arrière, il peut encore être mouillé. Donc c'est là où moi, ce que je ferais, j'enduirais de vernis acrylique le panneau de bois au complet, toutes les tranches, tous les bords, et tout l'endos aussi. Une fois que c'est sec devant, vous pouvez le vernir derrière. Il faut le vernir partout. Il faut rendre le bois complètement imperméable à l'eau. C'est ça qui serait important. Parce que ce que j'ai connu, moi, c'est que j'ai peint sur une bannière, en acrylique, j'ai verni pour pas que ça soit pris, on va dire, abîmé par l'eau, puis ça devait être exposé à l'extérieur. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que l'eau a traversé la bannière par en arrière et est venue me décoller ma peinture. Ça n'est pas par le côté exposé de la peinture qui a souffert, mais c'est vraiment par l'arrière. Donc, si j'avais peint le devant et le derrière de ma bannière, ça ne serait certainement pas arrivé. Maintenant, ça reste de la peinture. Hein. Vous pourriez très bien faire votre tableau avec une peinture prévue pour l'extérieur. Il faudrait acheter des petits pots de peinture, de couleurs de peinture pour les. Vous pouvez utiliser ça pour les rampes d'escalier, par exemple, des choses comme ça. Et vous faites votre tableau avec ça et ça devrait fonctionner. Ça devrait être bon aussi, mais sauf que vous n'aurez peut-être pas les couleurs qu'il faut, les mélanges, ça va être difficile à faire, etc., etc. C'est pas évident. L'autre possibilité, parce qu'il y a encore une autre possibilité, c'est une fois que tout est peint, fini, terminé, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, c'est sec, au moins sec au toucher, ben c'est d'appliquer de l'époxy. La résine époxy va vous protéger vraiment le tableau, et là encore, j'en mettrai devant et derrière, pareil, hein, de tous les côtés, pour vraiment avoir un panneau qui serait plastifié finalement de tous les côtés. Et là, vous allez pouvoir l'exposer sans problème. Alors, c'est sûr, tout ça, c'est des méthodes, ça prend du temps, mais ça dépend combien de temps il va rester exposé, à quel endroit, est-ce qu'il est un petit peu protégé de la pluie ou non, etc. C'est à voir tout ça, voilà. Je pense vous avoir donné pas mal toutes les explications, toutes les possibilités selon les cas. Fait qu'on va continuer avec Denise Veillet. Bonjour Denise. Est-ce à propos de la vidéo de mercredi passé, la question? Ah, OK. Elle dit très, très intéressant. Votre dernier livre, votre favori est super. Oui. À moins que vous l'avez déjà fait, à quand une vidéo sur la composition selon les formats? Ouais. Et les lignes directrices. Le livre sur les couleurs est aussi très intéressant, différent de ceux que j'ai, et me semble mieux expliqué. Si je le trouve, je vais l'acheter. Oui, le livre sur les couleurs, oui, c'est un très bon livre aussi, oui, oui, oui. C'est surtout sur les harmonies colorées. Mmh. Et on va dire les ressentis en fonction des couleurs qu'on va mettre sur un tableau. Mmh. Pour le livre, le dernier livre que j'ai présenté, c'était Better Landscape Painting de Margaret Kessler. Oui, alors, pour la composition, alors, vous demandez une vidéo sur la composition selon les formats, les lignes directrices, etc. Ça, c'est un cours qui est gros, qui est long, qui est très, très grand. Justement, alors, on a une partie qui est sur les formats des tableaux. Selon le sujet qu'on a à peindre, on va choisir tel ou tel format de tableau.
Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on fasse le cadrage, qu'on retravaille le cadrage, la composition, qu'on utilise aussi les lignes directrices. Tout ça, c'est quand même très complet. Il y a un cours, il est dans la formation, dans la peinture c'est facile, je l'ai fait. C'est un gros cours quand même, assez grand, assez long. Voilà, alors c'est sûr que je ne peux pas mettre sur YouTube ce que j'ai mis dans la formation aussi, mais peut-être des petits bouts de temps en temps, pourquoi pas, je vais essayer de penser à faire quelque chose comme ça. Ou bien, d'ailleurs, on avait fait un webinaire là-dessus, sur la composition. Mm-hmm. On en avait déjà fait un, et puis pourquoi pas en refaire un autre là-dessus une autre fois, oui. Bon, oui. C'était pas quand on faisait venir le monde avec nous? Non, c'est avant, c'est un des premiers webinaires qu'on a fait, il y a longtemps, oui. OK, OK. Et qu'on continue avec... Il y a longtemps, parce qu'on est vieux. Pas pour toi. Ça fait quelques années qu'on travaille là. Ouais. Oui. OK, on continue avec Cécile Mand. Bonjour Cécile. Sylvie. Je pense que c'est Sylvie. Bonjour Sylvie, oui. OK, une question. À l'huile, je vois que sur mes peintures en cours de séchage, de la poussière vient se coller. Oui. Que faire? Si la poussière se colle, oui, c'est vrai, ça arrive. Ça, que faire, mais comment éviter? Oui. Souvent, ça arrive d'ailleurs, mais une fois qu'on a peint à l'huile et qu'on a mis du vernis... pendant le séchage, il y a de la poussière qui va se poser et tout. Le mieux, c'est d'abord de garder le tableau vertical et dans une pièce où il y a le moins de poussière possible. Je me souviens quand on était à l'atelier, qu'on faisait nos ateliers spéciaux avec l'époxy. Ah mon Dieu, oui. La résine époxy, ça craint énormément la poussière. Ça va rester 24 heures en séchage à plat sur des tables de niveau. Et pendant ces 24 heures, il ne faut pas qu'il y ait de poussière qui vienne dessus. Alors, si vous avez juste une toile, vous pouvez très bien mettre à plat et mettre un carton à l'envers dessus qui va empêcher toute poussière de venir dessus. Attention, le carton, il ne faut pas qu'il soit poussiéreux, c'est sûr, si vous le renversez. Mais voilà, déjà, ça peut protéger, vous voyez. Mettre quelque chose au-dessus de votre tableau, ça peut le protéger lorsqu'il est à plat maintenant. Et des fois, on ne peut pas éviter certains, c'est sûr. Non, on ne mettait rien, nous, me semble. Non, on ne mettait rien, mais on faisait quand même attention qu'il n'y avait pas de poussière. On avait des tables pleines, on ne pouvait pas rien mettre dessus, là. Ouais, ouais. On avait une vingtaine de toiles comme ça, là. Donc, oui. Voilà, on ne peut pas vraiment l'éviter. D'ailleurs, vous avez vu que la poussière se voit surtout sur les parties foncées d'un tableau, sur les zones noires ou très foncées. Mm. Ouais. Donc, on continue avec Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour Catherine. J'étais encore en train de lire la question précédente, là, t'sais. Bonjour Catherine. OK, dans le livre de Michael Chesley. Michael Chesley Johnson? Oui. Oui. C'est celui qu'on connaît, là. Oui, celui qu'on a rencontré, oui. Vous mentionnez un moyen de transporter des toiles fraîchement peintes. De quoi s'agit-il? Avez-vous des conseils à donner pour transporter des toiles 30-40 sans risque? Mm-hmm. 30-40 pouces ou centimètres? C'est ça. Ça va être des pouces, je pense. Sinon, ça ne serait pas des formats comme ça. Mais en tout cas, 30-40, c'est très grand en pouce. Hein. C'est grand. Hein. Sans risque. Bon, il faut chercher sur Internet. Bon, regardez. Ce dont je parlais, c'est le fameux cocoon. Cocoon, vous tapez ça dans Internet. C-O-C-O-O-N. Cocoon, avec deux O. Marqué cocoon painting ou fresh painting. Et vous allez trouver de quoi il s'agit. Ce sont des cartons. Tout simplement, d'ailleurs, dans la formation la peinture c'est facile ou dans le cours peindre sur le motif en extérieur là, il y a un cours, j'ai fait une vidéo comment fabriquer nos propres cocoons pour transporter nos toiles fraîches. On parle pas de toiles épaisses, mais des panneaux d'isorel, des cartons entoilés par exemple, ces choses minces, on peut faire ça avec du carton ondulé, c'est facile à faire, ça s'achète dans le commerce, mais ça reste toujours pour des formats pas très grands, assez petits, puisque c'est pour peindre dehors. Maintenant, plus grand, je sais qu'il existe aussi des espèces de coquilles en plastique. Ça existe. Si on cherche sur Internet, on va trouver ça, qui permettent de transporter des toiles fraîches de plus grand format. Moi, j'en ai jamais acheté, mais je sais que ça existe. Après ça, sinon, vous savez, pour porter une toile fraîche, sans risquer de l'abîmer, il existe aussi une espèce de poignée, petite poignée en métal, qui va venir attraper deux toiles, que vous mettez vos deux toiles fraîches, ou une fraîche et une propre, une vierge là, de même dimension, vous les mettez face à face, donc il y a des petites entretoises qui les espacent pour pas qu'elles se touchent, où il y a la poignée, puis en bas, à l'opposé de la poignée, vous avez aussi des petites entretoises à placer, à poser, qui vont permettre aux toiles vraiment d'être coincées une contre l'autre, mais
Il y a juste deux petits points, juste comme des punaises là, qui viennent à peine les tenir. Et ce qui fait qu'elles ne pourront pas bouger et l'une va protéger l'autre. Et donc, même si vous passez des endroits où il y a de la terre, c'est sablonneux ou autre, il y a des choses qui volent dans l'air, vous allez voir qu'elles sont tellement proches l'une de l'autre qu'elles ne vont pas se salir, elles ne vont pas se toucher. Et c'est très sécuritaire pour les transporter. Et puis même pour les poser maintenant dans la voiture, hein, pour pas qu'elle ait une... beurrer tous les fauteuils et tout, c'est pratique. Ouais. Là, il y a plein de choses qui existent. Hein. Si on fait des recherches sur Internet, vous allez voir. Et ce système-là, je l'ai vu, j'en ai peut-être même eu, j'en ai déjà acheté, je pense, il y a longtemps. Ouais. Ils connaissent ça, beurrer? Beurrer. Ben, beurrer, ça, tu vas voir. Ça veut dire tâcher, salir. Ah, ouais. OK, mais on finit avec Lully. Bonjour. Bonjour, Lully. Bonjour. Avez-vous des revues ou magazines à conseiller pour connaître et découvrir d'autres artistes? Moi, je connais au Québec, il y a Magazinart. Hein, Magazinart, qui est une revue maintenant, c'est un mensuel ou un bimensuel, je ne sais plus, où il y a des artistes québécois, canadiens dessus. Oui, effectivement, c'est un très bon magazine. Magazinart, j'y étais abonné longtemps. Après ça, je dirais honnêtement, non, parce que ce que je vois surtout, c'est des revues où il y a des techniques, où on montre des choses, tu sais, comme Plaisir de peindre, tout ça, là. Mais, vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, je pense que des revues, il y en a de moins en moins. Hein. Ouais. Et celles qui restent et persistent vont peut-être un jour avoir du mal à poursuivre, hein, parce qu'on en achète moins. Hein, Même les journaux, n'importe quoi, on regarde tout sur notre... On trouve tellement de choses sur Internet, c'est vrai. Hein. Oui, ça veut dire que si vous voulez connaître pour d'autres artistes... Oui, regardez, vous avez un moyen avec Facebook de reconnaître d'autres artistes. Par exemple, je ne sais pas moi, vous allez sur la page Facebook d'un artiste peintre qui vous plaît, d'après son style, tout ça. Comme moi, j'aime bien les artistes peintres américains qui peignent sur le motif à l'extérieur. Je vous donnerai, par exemple, on revient sur Michael Chesley Johnson, avec qui on a suivi des cours en présentiel. Bon, ben, je vais sur sa page Facebook, je regarde les amis qu'il a, artistes peintres, et là, je vais voir des peintres. Je vais sur la page de tel ami, là, je trouve qu'il est bien, ça me plaît, j'aime son style, j'aime ce qu'il peint. Ben, je me mets ami avec lui, et puis comme ça, je vais me retrouver avec plusieurs artistes qui me plaisent beaucoup. Et lorsque eux vont poster des nouvelles publications avec des nouveaux tableaux, ben, je vais les voir arriver. C'est très inspirant, c'est beau, c'est comme ça que j'ai fait aussi. Puis des fois, je vois des tableaux arriver, je dis « Oh, waouh, c'est beau, tu sais, j'aimerais peindre comme ça aussi, j'aimerais aller chercher un peu ce style-là, cette façon de peindre, ou ces sujets, où j'aime ça, tout ça, c'est inspirant, hein, ça, on va dire, ça nous ressource aussi. Hein, on va chercher d'autres idées comme ça, on ne va pas les chercher, elles nous arrivent. C'est intéressant, moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça. » C'est fini. C'est fini pour les questions. Ouais. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur la vidéo ce mercredi-là. Là. Mais ça va aller on prochain. Va y répondre la semaine prochaine, le ouais. temps de... Je ne voulais pas trop compresser là, pour la première vidéo. Ah oui, parce qu'on est fatigué. Hein. Oh, moi, je ne suis pas fatigué, j'ai encore mal à mon nerf sciatique. Ah, le nerf sciatique. Qu'est-ce que... On pourrait le supprimer, celui-là. Hein? Le nerf sciatique. Ah, oh, j'aimerais ça. C'est quoi qui est venu? Alors, hier, c'est Philippe qui est venu. C'est, moi, je... Il ne nous a pas dit exactement c'est quoi son statut, mais moi je pense que c'est un Reiki. Un Reiki, oui. Un Reiki, un maître Reiki. Ici, ça s'appelle un chaman ou ce qu'on veut. Là. Oui. Il t'a fait de la manipulation à distance avec ses mains, son magnétisme. Il a réussi à la faire presque vomir. Là. Ah oui, oui. Mais c'est bizarre, mais parce que moi, jamais j'ai essayé ça. C'est la première fois, j'ai dit, ben, coudonc. J'ai dit, on va l'essayer, tu sais. J'ai dit, ben, pas que ça coûte rien, ça coûte un petit quelque chose. Mais quand même, ça a valu la peine, mais on va voir. Il m'a dit, ça prend 4 jours, mais j'ai encore mal. Mais hier, quand il travaillait, il ne me touchait pas, j'avais très mal, j'avais des douleurs, là. C'est comme qu'il me tirait quelque chose. Je dis, mon, tu sais quoi, cette affaire-là? Il travaille avec les énergies. Eh oui, l'énergie. Eh oui, pour dire, ça. Hein, il y a tout ça. Alors. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, je vais vous mettre une petite vidéo, un montage de la mer ici, Puerto Venturas, la plage de Chpua juste à côté. Oui. Et de jour, de soir, petite musique douce, en espérant que ça va vous apporter un petit peu de réconfort, de chaleur, d'inspiration, pourquoi pas. Ça peut être aussi. Ils peuvent faire des captures d'écran. Ouais, exactement, capture d'écran pour faire un tableau, des modèles, tout ça, ça peut être intéressant.
Et puis, de suite après cette petite vidéo-là, on se retrouve pour la réponse à l'énigme. Voilà, alors j'espère que ces petites images vous ont plu, que ça vous a apporté quelque chose de bien. Moi, j'aime ça. Des fois, je regarde des vidéos comme ça sur YouTube. Mais ça me calme, c'est paisible. Tu sais, il y en a beaucoup qui nous parlaient, bon voyage, tout ça. Mais dit merci, ça nous fait voyager. Oui, ben oui. Puis ça vous fait découvrir. C'est ceux qui ne peuvent pas voyager, venir ici au Mexique. Mais on vous partage. Ben oui. Nos images. C'est alors, c'est sûr, les prochaines vidéos, on vous montrera des choses peut-être un petit peu plus précises, pourquoi pas artistiques aussi. Mm-hmm. Et voilà. Donc, alors, la réponse à l'énigme du début, alors, ce petit morceau de tableau, ça faisait partie de ce grand tableau-là, la Manneporte de Claude Monet, qui l'a peinte en 1883, donc proche d'Etretat, en France. Alors, c'est un tableau qui fait partie de la formation « La peinture, c'est facile », peindre à la manière de Claude Monet.
et aussi dans le cours peindre à la manière de, qu'on peut acheter à part, c'est une grande formation où il y a même la Joconde dedans, tout ça. Mmh. Et donc, peindre à la manière de Claude Monet, ce fameux tableau, La main ne porte. Et c'est un tableau donc, que j'ai reproduit aussi, bien entendu, puisqu'on apprend à reproduire à peindre à la manière de Claude Monet. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, la semaine prochaine, on va vous faire une autre petite énigme, peut-être. Ben oui, pourquoi pas. Un autre morceau de tableau. Hein? Ben oui, hein, c'est le fun, ça. Ben oui. Alors, bravo à tous ceux qui ont trouvé. La semaine prochaine, je vais regarder avant, puis je vais te le dire si je le sais. Ah non, il ne faut pas le dire. Non, je ne vous dirai pas. Toi, je vais te le dire. Alors, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Très heureux de vous avoir retrouvé. Puis, vous êtes très, très, très important pour nous. On vous adore. Et on se retrouve la semaine prochaine, alors samedi prochain, avec une autre vidéo du Mexique et mercredi pour la vidéo technique. Merci à bientôt. Bye-bye.